Bien. C'est vrai qu'il a laissé un million, cher Camillon. Tu remets au frère qu'il nous avait tout dit. Non, non. Tu sais, manger pas plus tard, c'est vrai. Mesdemoiselles, messieurs, je vais maintenant vous donner lecture du testament de notre oncle. Mes chers neveux, mes dernières volontés concernant la disposition de mes biens. Risque de vous surprendre. Au fond de ma propriété de campagne, car dans la vieille maison, quelque part dans la vieille maison abandonnée, j'ai dissimulé un coffret. Il contient plus de 6000 pièces d'or, toute ma fortune est dans ce petit coffre de chêne. Elle appartiendra au premier d'entre vous qui découvrira le secret de sa cachette et qui deviendra ainsi mon unique héritier. J'ai toujours pensé en effet que rien n'était plus absurde que l'émiettement des fortunes. C'est pourquoi j'ai décidé que mon patrimoine ne serait pas éparpillé entre tous mes héritiers, mais tiendrait en totalité à un seul d'entre eux. Cette fraternelle compétition sera arbitrée par mon vieil ami, Maître Octave Lographe, qui est seul à connaître la cachette. Il vous ouvrira le portail de la propriété. Bonne chance, mes chers neveux.
Mais elle donnait qu'on se barre en hier, le cambriard, qui avait 13 points de circuit, avec tout le cortège qui s'assinait derrière. Il est comme ça, le cordonnier. Il n'aime pas les enterrements. Ce que cette route peut être menacée. Il faut des efforts pour entretenir les routes. Mais oui, tu as raison, venez-en, tourne en rond. C'est sûrement la petite qu'il faut prendre. Vraiment, c'est moins indiqué. Ils auraient pu faire quelque chose pour prévenir. C'est pas au moins un panneau, c'est pourtant pas difficile. Oh, ils s'en fichent, tu sais. Ça les amuse peut-être quand on tourne en rond pendant une heure. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui me connaît. Mais qu'est-ce que dirait maman ?
bizarre. Je me demande s'ils parviendront à dénicher le trésor. Mon cachette est surprenante. Tout ça, c'est une fortune considérable. Considérable des millions.
s'il en plaît. Crois-moi. On en verra après. Il dira qu'on s'est trompé, qu'on a fait attention. On rembourse les plantes, si tu veux. Méfiant quand même. Enfin, ça prouve une chose. C'est qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Voilà tout. My tailor is rich. Bon, allons voir plus loin. Ça, c'est une jungle. Ou elle peut-être pour un petit vol. Elle peut-être piégée même. Qui sait? Puis une jungle, ça se vole pas. Oui, dit Jocelyne, n'y pense pas, jamais je fais une chose pareille. Oui. My tailor is beautiful. Il faut absolument que je retrouve mes affaires. Je ne peux tout même pas rentrer à la maison avec une simple serviette. My tailor is rich. Oh, en voilà encore d'autres cas. C'est un mouvement continu maintenant. Je serviette avec moi. D'ici qu'il l'emporte, je serai dans le beau drap. Mais encore, même pas. Vraiment ces voitures-là, hein. Ça rappellerait presque les 24 heures du matin.
s'agit d'être prudent. Je me demande si elle m'a vu. Ils n'ont pas l'air de vouloir monter sur la terrasse pour le moment, mais l'idée leur viendra tôt ou tard. Le mieux, ils grimpent dans le mirador, ils attendent une occasion. Des clients comme ça, c'est pas intéressant. Pour une bricole, on perd un temps fou et le travail pendant ce temps-là avec ses pattes. Comment bon truc pour faire tomber? Qu'est-ce qu'il prie qui en bas? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la parole sans pièce d'or. Hé, oui, tu crois qu'il a trouvé quelque chose? Anna, qu'est-ce qu'il a trouvé? Mon bouton de culotte? Oh, si, c'est des copains de rien grand père. Non, non, c'est de l'or, c'est de l'or. Ça y est, on a le trésor, on va s'en aller. Oui, oui, allez, dépêchez-vous. Hein. Ils en font le macarme. Ils ont dû faire quelque chose. J'ai peut-être laissé tomber une ou deux pièces tout à l'heure en quittant le perron ou en traversant le patio. Il faut creuser le trésor sur un sou. Regarde, mais en tout, je te préviens, c'est la cave. La cave. Ouais, elle est sous sol, quoi. Voilà. Ah, tu crois que c'est là, le fantôme? On va toujours faire un trou, on verra bien ce qu'il en sortira. Question pour boire, ils ont rien précisé. Des pièces d'or qu'ils ont posées. C'est vague, ça. On peut pas faire trois pas sans un rencontre, qu'il disait. Et même que notre terrain est mort, et que leur oncle leur a dit que le premier qui mettait la main sur un fantôme, ben il avait gagné. Il pouvait l'emporter, le fantôme, il était à... C'est grand, ça. Mais ils n'ont pas su le faire profiter. Il n'y a pas de choux, pas de carottes, il n'y a quasiment que de la forêt. Si c'était moi, je commençais par couper tous ces arbres qui servent à rien et qui mangent toute la bonne terre. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette auto? Bon, elle n'était pas de cortège en tout cas. C'est bizarre cette voiture qui est cachée là. C'est louche, ça. C'est louche. Tout ça, c'est louche. Mais je vais attendre ici, rien pour voir comment qu'il est ce particulier là. Ça a l'air de se calmer dans le patio. Profitons-en. C'est une chance inouïe d'avoir trouvé cette corde ici. Une fois la cassette en bas, si l'un des héritiers m'aperçoit, j'aurai ma vide. Je suis venu pour leur ouvrir le portail. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pourtant pas le trésor. Un trésor, c'est plus lourd que ça, il me semble. Et puis, ça ne se met pas dans une valise en osier. Il faut que je montre ça à l'un sans attirer l'attention des autres. Hé, hey, Denise a trouvé le trésor. Denise a trouvé le trésor. Thank you.
remonter là-dedans. J'y serais tout de même mieux pour dormir petit sur ma caisse à outils. Et puis, j'aimerais bien qu'on vienne me faire des reproches. Et il manquerait plus que ça. On me fait perdre toute mon après-midi. Tout le travail qu'il y a dans l'atelier. Oh, elle est trop longue bien cette voiture. Sûrement des gens comme moyen. Ben, je vais toujours faire un petit somme en attendant. Okay.
j'avais complètement oublié ces trois-là. Je me demande à présent que je ferme la porte à clé. Et même que je tire le verrou. Des fois que cette forcenée remettrait ça. Ce studio, c'est pas une mauvaise place.